La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Congo Live Télévision, dont nous avons le réel plaisir de vous présenter pour vous. Comme vous le savez tous, il y aura encore une émission spéciale Révélation, situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, dont nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo sont en train de souffrir. On a encore notre correspondant au niveau de la Belgique, il est citoyen rwandais, il s'agit bien de M. Gaston depuis la Belgique. Bonjour et bienvenue, M. Gaston. Bonjour, messieurs les journalistes. La santé, vous allez très bien? Oui, ça va très bien. On va très bien ici en Belgique. Tout va bien. Ici, ça va, mais ce qui nous inquiète toujours, c'est la situation de nos frères et sœurs dans la région des Grands Lacs. Plus de 137 000 abonnés sont connectés à ce moment de vous suivre cette révélation dont vous le dites souvent. Vous, vous êtes en Belgique, vous êtes un citoyen rwandais. Vous voulez nous révéler encore d'autres secrets dont l'armée rwandaise est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous dire, il y a le porte-parole du M23 qui s'est dit qu'ils sont sous contrôle des Bounagana, mais malheureusement, ils ne séjournent pas en République démocratique du Congo, il est en Rwanda. Qu'est-ce qui est dur de ces propos? Ah, merci pour cette question, messieurs les journalistes. En fait, ces gens, il y a quelqu'un qui disait que ces gens mentent comme ils respirent. Hein. Okay. Et tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux parce que le porte-parole du M23, qui est, que moi j'appelle M23 RDF, qui est l'armée rwandaise, ne vit pas au Rwanda. Okay. Et je peux dire qu'il a quasiment jamais vu. Il vit au Rwanda, pardon, il ne vit pas au Congo. Mm-hmm. Il vit dans la région de Bigogwe. Mm-hmm. Et sa femme habite à Ruyengeri. Donc, quand il dit qu'il est au Rwanda, tout ça c'est faux, ce n'est pas vrai. Pardon, quand il dit qu'il est au Congo à Bounagana, c'est faux. Et il est au Rwanda, il parle depuis le Rwanda, donc il n'est pas au Congo. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, c'est l'armée rwandaise qui l'agresse. Oui. Donc, toutes ces déclarations qu'il fait que le Bounagana est sous contrôle, aujourd'hui on a pris le commandement de Kiweja et Routchour et tout qu'on sort, il n'est pas dans les sols congolaises. Non, il n'est pas sur le sol congolais, il est au Rwanda. Il dit donc tout ce qu'il dit, c'est faux. Il est genre en vie, ils l'ont reconnu parce qu'on a la population là-bas depuis que vous m'avez interviewé la dernière fois. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté via Messenger, ils m'ont envoyé des messages. Mm-hmm. Ils m'ont dit que ce gars, il est à Bigogwe, mais sa femme est un peu plus loin, à Ruyengeri. Donc quand il dit qu'il est à Rutshuru ou à Bounagana, tout ça c'est faux. Et tout ça c'est faux, tout ça c'est faux. Et pourquoi ces déclarations, c'est pour déstabiliser l'armée? Et pourquoi ces déclarations, c'est pour déstabiliser l'armée congolaise ou c'est juste une manière ou bien leur méthode de faire le travail? Ah, ça fait partie des stratégies de ces gens de dire qu'ils occupent la région ou bien ils ont tué autant de militaires ou bien ils occupent telle région. Et je peux vous dire que même quand ils disent qu'ils occupent, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai certains membres de ma famille qui vivent à Bicha. Mm-hmm. Quand ils disent qu'ils occupent la région de Rutshuru, c'est juste un petit tiro qu'ils occupent, mais ce n'est pas Rutshuru. Donc mm-hmm. Tout ça, c'est faux. Ils ne font pas que les gens paniquent. Ces gens ne sont rien du tout. Ils sont rien par rapport à la mastodonte de l'armée congolaise. Et récemment, ils venaient de communiquer que c'est dans quelques... ils ont presque 20 mètres que j'allais dire qu'ils auront la contrôle totale de Goma. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est juste une manière aussi de faire de paniquer la population? Merci de me poser encore cette question. Tout ça, c'est faux pour faire peur à la population. Je peux vous dire qu'il y a une journaliste, cette fois-ci, vous pouvez même... Les gens qui comprennent le Kinyarwanda peuvent le suivre sur YouTube. Il y a une journaliste rwandaise qui a été tout près de la frontière mm-hmm. avec le Congo, mais du côté du Rwanda. Elle a fait ce reportage. Elle a bien expliqué que c'est impossible que le M23 traverse et la force d'aller prendre le
C'est impossible. Vu la détermination de la population, tu l'as bien dit. Tu l'as dit que vu la détermination de la population et l'armée congolaise, c'est impossible que le M23 occupe Goma. Ça, c'est Eric qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis, ça se trouve sur YouTube. Chose étonnante, c'est que cette journaliste, elle est passée par la ville de Gisenyi au Rwanda. Elle a utilisé une manière de se camoufler pour faire semblant d'être une Congolaise. Elle a traversé, ça j'ai vu ça hier, et ça se trouvait toujours sur YouTube. Elle a traversé la frontière, elle est entrée à Goma, évidemment, en cachant sa tête, en mettant un panier sur la tête, faire comme si c'était une Congolaise. Et elle a vu comment la ville de Goma était bien animée, comment les gens bougeaient, comment les militaires surtout assurer la sécurité et contrôler tout. Elle a dit que, elle a bien dit qu'elle a eu de la chance de traverser, retraverser, mais elle n'a pas été agressée. Et pourtant, on l'avait vu traverser. Mais elle a bien dit qu'elle n'a pas été agressée, mais que le Goma était bien protégé. Donc, ils ne font pas que nos frères qui sont à Goma. Pour ça, la guerre, il y a la guerre. On se bat avec l'armée rwandaise qui se nomme M23 quand elle traverse la frontière, mais l'armée congolaise était indépendante. Et ces informations que vous donnez, est-ce que ça peut apporter quelque chose au niveau de haut commandement de l'armée congolaise pour qu'ils puissent savoir que, de quelle manière l'M23 opère dans notre territoire? Ah, ça, c'est un peu spécial, je vais vous l'expliquer. Parce que, au fait, il y a une force spéciale de Kagame qui est arrivée. Avant-hier, une force spéciale de Kagame. Congolaise. Pourquoi ils sont arrivés? Oui, une force spéciale. Pas l'armée régulière, une force spéciale de Kagame qui est arrivée dans la région tout près de Kibumba. Et cette armée, quand ils arrivent là-bas, ils y arrivent en journée, mais ils s'habillent en civil. Et une fois la nuit tombée, ils traversent, ils prennent les armes, ils traversent la frontière, mais en se cachant évidemment, en évitant les contrôles ou le campement de l'armée congolaise. Ceux qui arrivent à aller plus loin, c'est eux qui vont semer le trouble, qui tuer les civils, comme ils en ont l'habitude, et s'attaquer à la population dans des coins éloignés qui ne sont pas tout près de l'armée congolaise. C'est triste, mais c'est comme ça qu'ils opèrent. Et une fois que l'armée congolaise, après qu'il sera, ils courent, ils retraversent la frontière, ils reviennent au Rwanda, habillés en civil, ils disent que ce sont des civils. Mais en fait, c'est comme ça que les gens, tout près de la frontière, ils sont agressés par cette armée. Là, je dis bien, c'est une force spéciale de Kagame qui est arrivée avant-hier dans la région, tout près de la frontière de Kibumba. Très bien. Très bien, Monsieur Gaston. Alors, nous sommes en direct avec vous ici sur Congo Live Télévision. Très cher internaute de Congo Live Télévision, vous suivez nos révélations dont Monsieur Gaston, un citoyen rwandais, qui le fait à faveur de la République démocratique du Congo. Lui aussi, il est victime du pouvoir de Paul Kagame. Il vit en Belgique. Il ne peut pas rentrer en Rwanda parce qu'il est en train de dénoncer le acte dont le président rwandais qui est en train de faire sur le sol congolais. Monsieur Gaston, mais toutefois, vous pouvez nous dire ici, l'armée rwandaise opère dans nos régions ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez nous dire quelle méthode cette armée fait pour fouler le sol congolais, en fait? Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question. La question est de savoir quelle méthode utilise l'armée rwandaise pour fouler le sol congolais. Parce que nous avons l'impression que nos frontières sont très bien sécurisées, mais ils sont toujours dans notre territoire. Oui, ils sont l'armée rwandaise se trouve sur le territoire congolais, c'est vrai. Mais la façon, la méthode qui est utilisée, c'est cette façon de, comme l'armée congolaise ne s'attaque pas à la population ou aux civils, et le fait que l'armée de Kagame s'habille en civil, traverse la frontière, évidemment, ça devient compliqué pour l'armée de dire que c'est un militaire. Et ils visent, ils se battent contre les rebelles, ils pensent qu'ils se battent contre les rebelles à un point déterminé.
Le problème, c'est que cette armée de Kagame, qui s'habille en civil, à un certain moment, s'attaque à l'armée. Donc, pour moi, la meilleure méthode de combattre cette armée de Kagame, c'est contrôler, essayer de contrôler au maximum possible des hommes qui sont habillés d'une façon bizarre et surtout qui ne sont pas connus dans cette région. Parce que ils ne sont pas, les gens ne reconnaissent pas, quand ils n'habitent pas dans le coin, je pense qu'on devrait établir en fait le contrôle des cartes d'identité, surtout dans cette région frontalière avec le Rwanda. Comme ça, on pourrait les attraper facilement. Parce que si justement ces militaires de Kagame qui traversent habillés en civil arrivaient de l'autre côté de la frontière, c'est eux qui s'attaquent une fois la nuit tombée ou tôt le matin. Ils peuvent s'attaquer au convoi militaire de l'armée congolaise. Donc, mais si on contrôle chaque homme qui traverse la frontière, même en civil, ça peut réduire le risque que ces attaques arrivent. Donc on peut dire ici le M23, comme on les appelle ici souvent, et ils traversent nos frontières tant que des civils, et arrivés ici sur le sol congolais, ils commencent à opérer comme le rebelle, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ils s'habillent en civil. Je peux vous citer par exemple, c'est là où ils s'installent d'abord. Allez-y, hein? Allez-y, donc, allez-y. Du côté du Rwanda, ils allez-y. Se trouvent... Oui, merci. Donc, ils viennent du camp militaire de Bigogwe, et puis ils viennent avec des armes lourdes, et ils s'installent sur la colline de Mouti. Sur la colline de Mouti. Dans le secteur de Moussa-Sabana, dans la... Mouti, oui, c'est la colline de Mouti, donc c'est du côté du Rwanda. Et c'est dans le secteur de Moussa-Sabana, et c'est l'île Kadeshi. C'est tout près... d'une colline qui s'appelle Mufumba et il se trouve dans le bâtiment de l'église Pentecôte de Yaresidie. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à transporter donc les armes parce qu'ils cachent les armes dans cette église, l'église Pentecôte de Yaresidie. Et c'est là, de là justement, ils se chargent de cette église, ils se chargent, ils s'habillent en civil et la journée, ils traversent comme des civils et d'autres traversent avec les armes une fois la nuit tombée. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant et pour combattre ce que moi j'appelle des terroristes. Parce que s'attaquer aux civils, même aux militaires, c'est du terrorisme. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à traverser parce que l'armée congolaise ne s'attaque pas aux civils. Ok. Donc, en réalité, l'armée congolaise cherche à protéger les civils qui traversent nos frontières et se prend pour des civils pour venir nous attaquer. Et tout ça commence au niveau de la colline de Mouché, c'est ça? Et tout à fait. C'est la colline de Mouché qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière. Et c'est là qu'ils installent, qu'ils campent, qu'ils se changent, qu'ils s'installent quoi pour... quand ils s'attendent à la nuit tombée pour traverser la frontière. Très bien, très bien. Là, vous suivez toujours, nous sommes en direct. Là, on cherche à entrer directement dans la maison du chef d'état-major Christian Tshiobaye. Là, vous avez des informations précises comment l'armée rwandaise cherche à infiltrer notre sol. Nous avons expliqué ici, M. Goston, il commence par la colline de Mouché, à partir de la colline de Mouché, et il se cache, il s'échange, il traverse nos frontières tant que des civils. L'armée congolaise doit mettre du sérieux au niveau de nos frontières. Parce que là, il y a un sérieux problème. Parce que l'armée congolaise ne s'attaque pas aux civils. C'est eux, le Rwandais se transforme en civil pour venir nous attaquer. Donc, il faudrait encore serrer nos frontières à travers... Parce que ici, M. Gaston, il est en train de nous dévoiler. Il faudrait mettre des enjeux sur les cartes, bien de pièces d'identité de toutes les populations qui traversent nos frontières. À travers ces moyens-là, nous pourrons encore identifier les infiltrés qui cherchent à entrer dans nos sols congolais pour nous faire du mal. Et tandis que nous, l'armée congolaise, ne cherche pas à toucher les civils. Il est en train de toujours continuer de dévoiler ou bien de faire des graves révélations sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais M. Gasson, ici, vous parlez de méthodes dont l'armée rwandaise est en train de faire pour infiltrer le sol congolais. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer la situation de blessés où l'armée rwandaise il est en train de prendre en charge
Et par là, il veut nous dire quoi? Il prend en charge nos citoyens ou bien ce sont des citoyens rwandais? Ah non, ils prennent les blessés. En fait, l'armée congolaise, c'est une armée, je l'ai dit la dernière fois et je le répète, c'est une armée qui est très très forte par okay. rapport à l'armée rwandaise. Okay. Et il y a beaucoup de morts. Je peux okay. vous dire que du côté du Rwanda, il y a beaucoup de morts. Okay. De telle sorte que certaines parties des hôpitaux mm-hmm. ont été bloquées. Mm-hmm. Je peux vous dire l'hôpital de Kisenyi. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Oui, merci. Donc, il y a une unité qui a été bloquée complètement parce qu'on y a entassé des morts. Okay. Donc, des militaires okay. rwandais qui sont morts au Congo. Et comment ils opèrent pour évacuer les morts mm-hmm. Au fait, ils attendent la nuit, mm-hmm. quand ils se battent la journée, et les morts qu'ils arrivent à récupérer, on les entasse quelque part mm-hmm. Sur le front. Et la nuit, on les récupère, on les entasse dans des camions qui traverse la frontière donc aux Congolais pour venir les récupérer. On les amène à Gisenyi et on éteigne la lumière la nuit pour mmh. que les camions puissent traverser. Et on va les entasser dans les hôpitaux, donc à l'hôpital de Gisenyi. Je peux dire qu'il y a une unité qui a été bloquée parce qu'on y a entassé des morts. Mmh. Il y a même des médecins qu'on a enfermé dans des hôpitaux pour qu'ils ne sortent pas, parce qu'ils ont peur que s'ils sortent, ils vont dire la vérité de ce qui se passe. C'est donc ils sont bloqués, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. La deuxième chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de blessés, et les blessés les plus graves, ils sont transportés par hélicoptère depuis Gisenyi vers l'hôpital militaire de Kanombe à Kigali. C'est pas un hélicoptère, c'est très urgent. Sinon, il y a des ambulances qui transportent des blessés de Gisenyi vers l'hôpital de Ruhengeri. Et quand ils trouvent que c'est encore plus grave, on les transporte encore à Kigali. Donc, pour vous dire que c'est une implication du Rwanda, il n'y a pas plus clair que ça. C'est l'armée rwandaise, c'est le gouvernement rwandais, c'est le gouvernement de Kagame, pardon. Qui mène cette guerre. Ils ne font pas qu'on raconte de bêtises, parce que si on met la logistique à la disposition de ces terroristes, si on utilise les hôpitaux publics pour soigner ces terroristes, si on met des hélicoptères à la disposition de ces terroristes, je vois mal comment on peut dire que ce n'est pas le Rwanda qui mène cette guerre. Parce que si on met plus de ça, l'armée de Kagame et surtout les forces spéciales de Kagame qui traversent la frontière pour aller s'attaquer à l'armée congolaise, il n'y a pas d'autre terme pour dire que c'est l'armée rwandaise qui agresse. Et c'est comme ça que je trouve les choses. Mais pire encore... Allez-y. Oui, pire encore, c'est que je peux vous dire que actuellement, parce que comme il y a eu beaucoup de morts et que l'armée rwandaise n'arrivait pas à mobiliser les jeunes pour aller se battre, je peux vous dire qu'ils sont en train de recruter. Il y a une semaine, on recrutait par force. On allait au marché ou à des écoles et on raflait les jeunes pour les enrôler de force dans l'armée. Il y a une semaine. Une semaine. Et, oui. Et comme une semaine, on prenait des jeunes par force pour intégrer l'armée rwandaise ou bien des groupes de rebelles rwandais? Non, pour soi-disant intégrer l'armée rwandaise, okay. mais on sait en réalité que c'est pour les envoyer sur le front. Parce que si c'était les rebelles, il n'y aurait aucune raison que le gouvernement rwandais recrute les jeunes de force. Donc ces jeunes, ils sont formés et envoyés sur le front. Aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes se sont cachés et qu'ils n'arrivent pas à les avoir, ils sont en train d'essayer de les cajoler pour qu'ils viennent rejoindre l'armée. Et ceux qui se portent volontaires pour entrer dans l'armée, on leur donne 200 000 francs rwandais. C'est à peu près 200 $ okay. pour ceux qui acceptent de s'enregistrer dans l'armée. Donc, cet argent, ça vient d'où? On connaît l'économie rwandaise. Pourquoi commencer à faire tout ça pour enrôler les jeunes rwandais dans l'armée
Ça, c'est qu'ils sont en difficulté, il faut le dire. Ils sont en difficulté, cette guerre, ils ne peuvent pas la gagner. Merci. Et ils sont en difficulté, comme vous le dites là, ils sont en train d'enrôler des jeunes par force pour intégrer l'armée rwandaise et pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et surtout, quels sont les mécanismes Paul Kagame fait pour que il puisse faire traverser ces jeunes-là venir attaquer l'armée congolaise et ces ambulances dont vous parlez qui puissent transporter tous les blessés ou bien des morts du côté rwandais. Ces ambulances sont installées au territoire congolais ou bien ce sont dans des frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda? Non, en fait, les ambulances, ils sont au Rwanda. Ok. Il y a deux étapes pour, trois étapes, pardon, Ok, pour allez-y. transporter ces blessés. Alors, la première étape, c'est qu'il y a des camionnettes qui traversent la frontière, surtout le soir, et récupérer les blessés ou les morts et les amener au Rwanda. Et puis, une fois qu'ils sont au Rwanda, ils sont transportés. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Par hélicoptère, quand ce sont des blessés graves, ils sont transportés par hélicoptère à Kigali. Et il y a la troisième méthode, c'est l'utilisation des ambulances qui sont au Rwanda, qui sont à la disposition de l'armée rwandaise. Et ça, on les utilise pour transporter ces blessés dans différents hôpitaux au Rwanda. Je n'ai cité que trois hôpitaux, mais je sais très bien qu'il y en a même qu'on a transporté à l'hôpital de Gitarama. C'est encore plus loin au centre du Rwanda. Mais c'est l'armée rwandaise qui le fait. Mais Alors, concernant... allez-y, Oui, allez-y, pardon. allez-y. Donc, concernant ces jeunes, il y a, j'ai bien dit qu'il y a une semaine, on les a relayés de force dans l'armée. Comme ça n'a pas réussi. Vous avez vu, Caro, son Excellence le Président Tshisekedi A fait a appel à la demandé, jeunesse. oui, de s'engager dans l'armée. Vous avez vu l'enthousiasme avec laquelle les jeunes se sont engagés dans l'armée. Tout à Et au fait. Rwanda, ils ont essayé de faire la même chose, ça a échoué. OK. Et ils ont forcé les gens à aller dans l'armée. Comme ça n'a rien donné toujours, et maintenant, ils sont en train de demander aux jeunes qui acceptent de s'enregistrer dans l'armée, on leur donne 200 000 francs rwandais, donc 200 euros, juste pour dire oui, je m'engage, tu as 200 euros. Tout ça pour attirer les jeunes dans l'armée, évidemment pour aller se battre au Congo. Et je peux vous dire que ces jeunes qu'on donne à qui on donne une petite formation de quelques jours, ils sont envoyés sur le front. Et évidemment, avec l'expérience de l'armée congolaise, ils ne peuvent pas tenir et ils se font massacrer. Et ça, tout ça, il faudrait qu'un jour, la soi-disant communauté internationale fasse quelque chose si jamais elle veut vraiment garder son nom. Mais c'est les jeunes rwandais qui se font tuer, mais derrière, c'est Kagame qui les pousse à cette mort, malheureusement, que les Rwandais ne soutiennent pas parce que. Si les Rwandais étaient d'accord avec cette agression de Kagame contre le Congo, ils ne nous donneraient pas ces informations. Je peux vous dire que même dans l'armée de Kagame, c'est eux d'ailleurs qui me donnent ces informations. C'est les jeunes qui sont dans l'armée qui nous disent, voilà ce qui se passe, on ne veut pas aller se battre contre nos frères congolais, mais ici, si tu es dans l'armée, si tu n'y vas pas, tu te fais tuer. Donc, c'est un cri de ils nous disent, ben voilà, aidez-nous s'il vous plaît, faites connaître la situation que nous vivons. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, messieurs les journalistes. Mais cette question, ici, vous êtes en train de nous dire que si le jeune refuse d'aller s'adhérer à l'armée rwandaise, mais c'est Kagame, il arrive jusqu'à tuer ces jeunes-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand ils disent non, parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas aller se battre, on leur dit d'aller se battre contre les frères congolais, et qu'ils refusent, ils se font tuer. Ils se font tirer dessus. Je peux vous dire qu'il y en a, il y a eu deux morts à Kami, OK. c'est pas loin de Kigali. Les jeunes qui n'ont pas voulu aller sur le front, parce qu'on les avait dit qu'ils devaient aller se battre du côté de Gisenyi, on disait dans la province de l'Ouest. Et ces jeunes, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas y aller parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Ils se sont fait tuer. OK. Et je peux vous dire que c'est arrivé, parce qu'il y a les hauts gradés de l'armée rwandaise qui sont arrivés
tout près de la frontière il y a 5 jours. Et ces hauts gradés étaient venus pour remonter au moral et se rendre compte, s'acquérir de la situation sur le front. Et ces hauts gradés, je dis, c'est le chef d'état-major qui était là. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur le front? Je n'ai pas eu de réponse. Mais les hommes qui sont dans l'armée, donc ces jeunes qui m'ont envoyé une formation, ils m'ont dit qu'il avait amené une arme très qu'ils allaient utiliser pour tirer sur le Congo. Donc, pour vous dire que donc, les jeunes qui n'ont pas voulu suivre se regarder parce qu'ils voulaient l'escorter et puis aller rester là-bas, ces jeunes, on n'a plus de nouvelles depuis 5 jours. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. On ne sait pas. Mais on sait la méthode utilisée par Kagame. Très bien. On sait la méthode qui est utilisée par Kagame. Ce sont de vérités révélées ici par M. Gaston Moutawar. Il est citoyen rwandais, résident en Belgique. C'est lui qui nous fait dévoiler toutes ces vérités, dont la manière dont la République rwandaise est en train d'opérer sur le sol congolais. Mais M. Gaston, restons toujours sur la situation de blessés dont le Rwanda est en train de transporter. Et alors, comment l'armée rwandaise, ils arrivent à identifier que lui, là, il est ou bien elle est citoyen rwandais? En fait, les Rwandais, on se connaît entre nous. Mm-hmm. Mais une fois, quand ils arrivent sur le sol congolais, mm-hmm. et je ne sais pas si vous avez remarqué, ils parlaient toujours en Kinyarwanda. OK. Mais oui, ils parlaient toujours en Kinyarwanda parce qu'ils savent que l'armée congolaise s'exprime principalement en Lingala mm-hmm. et en Swahili. Mm-hmm. Et ils ont les consignes qu'ils doivent se parler en Kinyarwanda. Pas en français. D'ailleurs, ils ne parlent aucun mot. Le français, ce n'est pas les langues, ni même deuxième langue. Tout à fait. Et ils s'expriment en Kinyarwanda et surtout en utilisant quelques mots anglais. Mm-hmm. Ils prononcent mal l'anglais, mais utilisent quelques mots en anglais. Et avant de traverser, ils se donnent des points de rencontre. Mm-hmm. Donc, et surtout que quand ils sont en civil, ils sont difficiles à arrêter parce que je pense que l'armée congolaise a d'autres choses à faire plutôt que d'aller contrôler tous les civils. Moi, je pense qu'il faudrait que ça devrait être le travail de la police congolaise. Tout à fait. D'essayer de contrôler tous les points, installer des checkpoints pour savoir qui est qui. Parce que quand on voit comment cette dame, journaliste, a traversé la frontière, elle le décrit très bien, comment elle s'est habillée, elle s'est maquillée pour ressembler à une Congolaise, sauf qu'elle a dit, mais avec mon accent, ça n'allait pas du tout. Elle a essayé de parler en français, mais elle avait un accent bizarre. Mm-hmm. Et elle a dit, mais je n'ai pas été contrôlée parce que l'armée congolaise ne s'attaque pas aux civils. Elle le dit très bien dans son reportage. Mais moi, je ne dis pas que l'armée congolaise doit s'attaquer aux civils, mais c'est contrôler pour savoir qui est qui. Okay. Parce que ça, c'est une zone de guerre. Et voilà. Et je demanderai aussi à mes frères, parce que à l'est du Congo, vous savez, la région de Brisha ou à Kibumba, on parlait le Kinyarwanda. Mais même si ce n'est pas tout à fait le Kinyarwanda, ça s'appelle ça le Kihutu. Mais je demanderai à ces gens d'essayer d'être de donner des informations à l'armée congolaise parce qu'ils comprennent, dès qu'ils voient quelqu'un qui parle avec un accent de l'autre côté de la frontière, okay. Tu sais, on sait reconnaître l'accent de tel ou tel et que cette personne soit contrôlée justement pour savoir qui c'est. Voilà. Ici, on parle directement au gouverneur militaire de Nord qui voue surtout au chef d'état-major de mettre dans toutes nos frontières des checkpoints pour identifier si réellement la personne est congolais ou bien elle n'est pas congolais. C'est à travers ces genres de contrôles dont on va commencer à identifier tous les infiltrés qui sont en train d'infiltrer notre territoire. Ce sont des informations dévoilées ici par M. Gaston. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas demandé que l'armée congolaise commence à tuer des civils. Mais juste, il faut mettre de rigueur pour que l'armée congolaise puisse identifier tous les infiltrés dont ils sont en train de s'infiltrer ici en République démocratique du Congo. Mais M. Gaston, nous arrivons presque à la fin de notre direct ici. Mais avant de finir, parlons un peu comment les habitants de la région voient cette guerre d'agression.
Et alors, les habitats, j'ai eu la chance de parler aux habitants de la région, donc de l'autre côté, du côté du Rwanda OK. et du côté du Congo. Et les habitants du Rwanda, ils sont abattus. Ils sont abattus de voir que l'armée de Kagame traverse la frontière juste pour aller tuer nos frères congolais. Vous savez, il y a eu, à l'époque, il y a eu même récemment, des mariages de deux côtés. Donc, on se considérait comme des frères et sœurs. Et surtout, le Congo, comme grand frère du Rwanda. Mais le fait que les gens commencent à traverser la frontière pour aller tuer les Congolais, ça, les gens ne le supportaient plus. Et c'est pour ça qu'ils nous disaient qu'ils sont prêts, si la communication s'établit entre les deux pays, parce qu'entre les deux, il faut reconnaître qu'il y a il y a les militaires, l'armée de Kagame surtout, qui éloignent les gens. Et ils demandent, et c'est une chose plus grave que j'avais oublié de dire, c'est qu'on leur demande de sortir de leur maison 1 heure par jour. Le reste, ils doivent rester à l'intérieur. Donc, dès que l'armée rwandaise arrive à la frontière avec le Congo, la population n'a plus le droit de s'approcher, à part les infiltrés, les espions de Kagame qui sillonnent dans le corridor de la frontière. Mais sinon, la population doit rester à l'intérieur. Et vous savez très bien qu'au Rwanda, à cause de problèmes alimentaires, ils vont souvent s'approvisionner au Congo. Et ils ne savent plus y traverser facilement. Ils nous disent, si il y avait moyen de communiquer avec nos frères qui sont de l'autre côté de la frontière, surtout, donner des informations à l'armée congolaise pour leur dire, attention, il faut traverser, il se trouve ici, ici et là. Et on le ferait automatiquement. Et ils sont prêts à le faire. Donc, pour vous dire que la population rwandaise n'est pas du tout derrière cette guerre d'agression et surtout cette guerre qui est menée par cette petite clique qui est installée à Kigali pour déstabiliser le Congo. Ils revivent très mal, ils vivent très mal cette guerre, mais ils ne savent pas faire grand-chose. Et j'ai eu aussi un cousin qui était à Brisha, qui m'a dit que ils sont prêts à soutenir l'armée congolaise de toutes leurs forces. Et il m'a dit que se sont déjà engagés dans l'armée parce que ce soit du côté du Congo ou du côté du Rwanda, ils m'ont bien dit que cette guerre, Kagame ne doit pas la gagner. Ils ne font pas donner à Kagame cette chance de gagner cette guerre. Et un message encore qu'ils m'ont donné, messieurs les journalistes, si vous permettez, Allez-y, c'est allez-y. que, oui, c'est que donc, la population qui est de l'autre côté de la frontière au Rwanda, ils m'ont dit qu'il ne faut jamais accepter de négocier avec les terroristes. Les terroristes, on négocie jamais avec les terroristes. Il faut les écraser, il faut les éliminer, les terroristes. Et parce que pourquoi je vous dis ça, c'est parce que il y a des rumeurs à gauche à droite comme quoi le gouvernement congolais a accepté de négocier avec le M23. Et ils m'ont bien dit que ce n'est pas M23, c'est l'armée de Kagame qui veut contrôler le reste du Congo. Parce que c'est une région riche et ils m'ont dit, il ne faut jamais accepter de négocier avec les terroristes. Parce que négocier avec ces terroristes, c'est mettre la vie de toute l'Afrique en danger. Et ça, c'est une chose que la population, ils sont prêts à sacrifier leurs fils, leurs hommes, leurs maris, mais pour que l'armée de Kagame ne contrôle pas la situation. Et ils m'ont bien dit qu'il ne faut jamais accepter ça et qu'ils sont derrière les décisions prises par Tshisekedi. Et j'ai demandé pourquoi ils soutiennent Tshisekedi alors qu'ils sont au Rwanda. Ils m'ont dit non, cette guerre d'agression, ça ne devrait pas arriver dans la région des Grands Lacs. Et ça a trop duré et trop, c'est trop. C'est pour ça que justement l'armée de Kagame, qui est en difficulté, il faut le reconnaître d'abord. Et il y a pas, il y a 2 jours, vous avez vu que l'armée de Kagame qui était encerclée par les civils qui se défendent tout près de Kiwanja, ils demandaient que la communauté internationale intervienne. Et mes frères qui sont au Rwanda, qui ont vu l'information, ils m'ont dit non,
ils ne font pas lâcher, il faut continuer à mettre la pression parce que c'est vaincre cette armée, c'est en gagnant cette guerre contre le Rwanda. Le Rwanda risque d'être libéré aussi parce qu'ils vivent sous le contrôle des terroristes. Et c'est eux qui m'ont dit, je ne fais que reporter ce qu'ils m'ont dit, monsieur le journaliste. Mais c'est Gaston, en ce qui concerne les dialogues, ne vient pas de la République démocratique du Congo, ce sont la communauté internationale qui a demandé que la RDC puisse dialoguer entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore donné le feu vert pour dialoguer. Oui, je dis bien que c'est mes frères qui sont au Rwanda qui m'ont dit ça parce qu'ils ont eu peur quand ils ont vu que on commençait à dire c'est au Rwanda, hein, c'est au Rwanda qu'on disait que ah, le gouvernement congolais va négocier avec le M23. Donc je dis bien que ce sont des rumeurs. Ils essaient de dire n'importe quoi pour évidemment effrayer la population, parce qu'ils savent très bien que cette guerre n'a pas le soutien de la population. Et quand ils disent « Ah, le gouvernement congolais a accepté de négocier avec le M23 », ils ont peur. Ils se disent « Ah, si on négocie, c'est que le M23 prend le dessus. » Ce qui est faux, parce que le M23, qui est en même temps l'armée rwandaise, n'a pas le dessus. Ils sont en train d'être écrasés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Okay. Ils sont en train d'être écrasés. Ils doivent tôt ou tard s'expliquer. Mais ces questions sont presque à fin de notre direct ici. Quel message vous pouvez lancer à la population rwandaise, tout comme Congrès qui vous suit en ce moment, plus de 137 000 abonnés de différentes nationalités qui vous suivent à travers notre chaîne Congo Live Télévision? Alors, mon message est très simple, et que ce soit du côté du Rwanda ou du côté du Congo. Et c'est, je demanderai à la population rwandaise de continuer à nous donner plus d'informations, des informations sur tout ce qui se passe, surtout à la frontière avec le Congo et à l'intérieur, notamment pour ce qui concerne cette logistique mise à la disposition des terroristes par Kagame. Et je demanderai à la population rwandaise de soutenir l'armée congolaise pour donner ces informations, mais et aussi en faisant en sorte que cette logistique échoue. Parce que je pense que c'est d'abord l'armée rwandaise, la population rwandaise peut jouer un grand rôle pour que ce projet de balkanisation de l'Est du Congo échoue. Et comme ils m'ont dit, ils m'ont donné ces informations. La population rwandaise est capable de mettre en échec tout ce projet de Kagame. Je demanderai à la population congolaise d'être derrière le commandant en chef de l'armée, qui est le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, parce que le combat qu'il mène, ce n'est pas seulement le combat pour le Congo, mais c'est le combat aussi pour toute la région de Grand Lac. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais il a déjà le soutien de la population congolaise et en plus il a le soutien de la population rwandaise. Donc, restons discrets et surtout, prêtons main forte à l'armée congolaise qui se bat vaillamment et qui gagne surtout cette guerre pour l'honneur de l'Afrique et pour vaincre l'ennemi. Et je dirais aussi pour un dernier mot, monsieur le journaliste, allez-y. La guerre que mène le Congo aujourd'hui, c'est une guerre en fait contre moi ce que j'appelle une colonisation sauvage. Parce que c'est une colonisation sauvage qui consiste à donner à des imbéciles le pouvoir et leur donner des armes pour qu'ils tuent leurs compatriotes. Ça a été vu dans des siècles derniers quand certains coupaient les mains de leurs frères et de leurs sœurs. Et c'est ça qui revient. Et tout Africain digne de son nom devrait soutenir l'armée congolaise pour faire échouer cette colonisation sauvage qui a commencé au Rwanda et qui se poursuit surtout et dangereusement au Congo. Voilà tout ce que je peux dire, monsieur le journaliste. On vous remercie de votre disponibilité pour la chaîne de Congo Live Télévision, monsieur Gaston. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Et donc, si je vais ajouter ce que M. Gaston a dit, je vais beaucoup plus parler du chef d'état-major parce qu'il y a toutes les informations nécessaires pour qu'on puisse encore gagner cette guerre. Déjà, la guerre est gagnée. Il a confirmé ici qu'il y a beaucoup plus de blessés du côté Rwanda par rapport en République démocratique du Congo. Et donc, le chef d'état-major, je sais que vous suivez cette chaîne, Congo Live Télévision, c'est la chaîne des institutions de la République, donc vous êtes informé en temps réel. Et donc, s'il s'agit d'ajouter ce que M. Gaston dit, il faut encore renforcer la sécurité au niveau de nos frontières. Il a parlé même de checkpoints pour identifier toutes sortes de gens qui sont en train d'entrer dans nos frontières. Comme on le dit toujours, peu importe nos divergences, on est tous congolais, qu'on se le dise. Au revoir.